Salut Rebelle Créative, donc me voici de nouveau face à toi pour te partager une stratégie, changement d'état d'esprit qui vont t'aider à développer ton entreprise, continuer d'augmenter tes revenus et tout ça bien sûr sans avoir à travailler plus. Et aujourd'hui un sujet vraiment vraiment intéressant, c'est toute la question de la valeur. Comment donner un maximum de valeur aux gens, donc à tes clients, sans pour cela travailler plus en fait tout simplement. Donc ça c'était une question qui est super importante quand je travaille avec mes clientes à l'intérieur de mes masterminds. On commence tout de suite par la stratégie de prix. Et une des choses qui se présente, un des blocages, mais vraiment important, qui se présente toujours lorsqu'on travaille cette stratégie de prix, c'est si j'augmente mes prix, si je demande, si je présente des prix qui sont donc pour des forfaits à valeur ajoutée, donc on parle de 1 000, 2 000, 3 000, 4 000, 5 000 et plus, donc je vais devoir forcément travailler jusqu'à l'épuisement. Qu'est-ce que je dois donner pour être en mesure de demander ce type de forfait? Donc ça, c'est une question qu'on a dans la tête et qui est vraiment un des blocages les plus importants. Ce qui est super important de comprendre ici, c'est que ton entreprise, l'objectif numéro un de ton entreprise, c'est d'être profitable. Donc la manière, deux façons d'être profitable. Soit tu augmentes le nombre de clients que tu as, ou tu augmentes tout simplement tes prix. En général, je vais toujours recommander à mes clients, surtout au début, d'augmenter leurs prix. C'est la façon la plus rapide de devenir profitable, c'est de simplement augmenter tes prix. Et donc, pour une des stratégies, bien sûr, les plus efficaces pour augmenter tes prix, eh bien, c'est de créer des forfaits à valeur ajoutée et surtout d'avoir une communication et un positionnement qui permet donc de créer cette valeur. Mais donc, bien évidemment, la première étape, c'est simplement de décider de ce que tu veux comme prix. Là, le truc qui est souvent et qui arrive avec mes clientes, et peut-être que tu es aussi dans cette situation, c'est effectivement lorsqu'on parle de prix plus élevé, il y a cette peur qui est de se retrouver totalement submergé parce qu'il faut justifier finalement ce prix par plus de travail. Et ça, c'est vraiment l'idée qui est dans l'esprit, c'est que plus d'argent veut dire plus de travail, plus d'heures de travail, plus de contenu, et en termes de quantité. Il faut donner plus, plus, plus pour justifier de demander un prix plus élevé. Donc, si tu es dans cette situation, aujourd'hui, je vais te partager une simple stratégie qui va te permettre de changer ton état d'esprit. Et la voici, elle est vraiment très simple. Tu vends tes idées et non ton énergie. Okay? Donc, que ton énergie se traduise en heures de travail que tu vends en général, donc que tu échanges contre de l'argent, ou encore en quantité de contenu que tu échanges contre de l'argent, ça revient au même. On s'est habitué en fait à justifier notre salaire par l'énergie qu'on dépense dans un travail. Et ça, c'est la meilleure façon de te brûler parce que tu es un entrepreneur. Tu es entrepreneur. Ça veut dire que absolument tout dans ton entreprise dépend d'abord de toi. Alors oui, en développant ton entreprise, tu vas avoir des personnes qui pourront t'aider. Tu auras sans doute des personnes à qui tu vas pouvoir déléguer certaines tâches. Mais la chose qui est vraiment importante à comprendre, c'est que tu ne pourras jamais déléguer la responsabilité de ton entreprise. Tu es la personne qui prend les décisions pour chaque chose. Même lorsqu'elles sont déléguées, c'est à toi de décider de la direction, de comment les choses doivent se passer. Donc ça demande de la disponibilité. Donc si tu regardes par rapport à la quantité de choses que tu as à faire, il n'y a qu'un temps limité que tu peux réellement être en train de travailler pour tes clients. D'où la solution qui est donc de vendre tes idées et non ton énergie. Lorsque tu fais ce changement dans ton esprit, donc tu vends tes idées, d'accord, plutôt que ton énergie, bien une fois que tu as sorti tes idées de ta tête, que ce soit sous forme de vidéo, PDF ou autre support, eh bien, c'est fait. C'est fait une fois et maintenant tu peux les vendre à l'infini. Donc, pour revenir un petit peu à cette question, à cette idée de quantité ou heures de travail échangées, je me rappelle, il n'y a pas si longtemps, une de mes clientes à l'intérieur de mon mastermind. Donc, j'expliquais cette idée-là. Et donc, la deuxième étape dans mon processus, c'est de créer donc un cadeau à valeur ajoutée. Et tu vas voir, c'est vraiment très simple. Créer un cadeau à valeur ajoutée qui va te positionner parmi les experts, dans mon processus, c'est simplement un PDF sur 10 pages. Point à la ligne. Et c'est la meilleure introduction par rapport à tes services et par rapport aux résultats que tu peux apporter. Et là, j'ai justement une de mes clientes qui, en voyant cela, s'est dit, tiens, pour moi, c'est pas assez de valeur. Elle ne voyait pas l'intérêt de créer un PDF sur 10 pages. Son service était bien plus que ça. Elle, ce qu'elle voulait faire, c'était un webinaire, des vidéos, enfin bref, tu sais, un gros truc. Donc ça, c'est encore parce que dans son esprit, et si tu es exactement dans cette situation, il est possible que tu sois exactement là aussi, c'est qu'un webinaire, donc c'est plus de contenu, c'est beaucoup plus, donc oui, il y a plus de valeur, on peut faire plus d'expérience dedans.
Dans le fond, oui, c'est tout à fait vrai. Un webinaire va donner bien plus de valeur qu'un simple PDF de 10 pages. Par contre, pour arriver au webinaire, okay, qui va durer peut-être 45, c'est 45 minutes à 1 heure de contenu pour un webinaire, eh bien, tu vas commencer par un 3 minutes de contenu. Et parce que ce 3 minutes de contenu sera parfaitement aligné et que dans 3 minutes de contenu, tu seras en mesure de donner un résultat hyper précis à ton prospect, eh bien, il va avancer avec toi avec un autre 3 minutes et un autre 3 minutes pour éventuellement arriver à regarder des contenus plus larges jusqu'à acheter tes offres à valeur ajoutée. Donc, comme tu vois, la valeur ajoutée, l'expérience est une question, oui, de temps, mais pas le temps que toi, tu mets dans le travail, mais simplement le temps qui passe. C'est pourquoi nous utilisons des tunnels de vente. C'est pourquoi j'enseigne les tunnels de vente. Les tunnels de vente permettent de ralentir la transaction. Plutôt que d'être là, le prospect te contacte, il prend le téléphone, il te demande tout de suite, hey, au fait, c'est combien? Tu ralentis la transaction et donc là, tu permets donc à la vie et donc au temps de prendre place dans cette relation. Et c'est ce qui crée la valeur. Il n'y a rien qui ait plus de valeur que le temps, mais tu n'as pas besoin de vendre ton temps. Tout ce que tu as besoin d'avoir, c'est un processus qui permet de placer le temps à l'intérieur de cette relation, à l'intérieur de cette transaction. Et ainsi, quand on arrive à la question de l'offre et des forfaits et des prix, pour la personne, donc pour ton prospect, qui est passé à travers cette relation avec toi, c'est-à-dire qu'il a continué à te lire, à t'écouter à travers tes différents contenus qui étaient court. Et donc comme ça, la valeur, donc le sentiment de valeur s'est construit en lui, donc s'est bâti en lui. Au moment où tu es en mesure de présenter une offre à valeur ajoutée, donc des forfaits à 2, 3, 4, 5 000 ou plus, eh bien, ça fait tout le sens. C'est-à-dire que c'est logique pour cette personne. Elle n'est pas en état de choc, elle n'est pas, oh mon Dieu, elle est simplement, c'est logique par rapport à la valeur que tu proposes. Tu as permis au temps d'exercer ce qu'il sait faire, c'est-à-dire simplement être présent dans cette relation. Et pour cette raison, eh bien, tes offres prennent beaucoup plus de valeur. Donc, garde ça en esprit si je dois faire un dernier résumé par rapport à tout ce que je viens de te dire ici. Un changement d'état d'esprit que tu dois vraiment faire dès maintenant, c'est de ne plus vendre ton temps, ne plus vendre ton énergie, mais simplement tes idées. Et une idée peut prendre la forme de 10 pages, elle peut prendre la forme d'une vidéo, elle peut prendre la forme d'un webinaire de 45 minutes ou d'une heure, ça reste une idée. Tout ce qui compte, c'est qu'elle soit transmise de la bonne façon, qu'elle touche et réponde exactement aux besoins de ta cible. Et dès l'instant où tu arrives à créer cette situation, eh bien, tu viens de créer une offre à valeur ajoutée et tu n'auras aucun problème à vendre ces forfaits. Donc, c'est ce que je voulais te partager aujourd'hui. Si tu veux d'autres coachings et stratégies de ce type, rejoins-moi sur rebellecreative.com. Tu trouveras une tonne de vidéos de ce type. Tu as également accès à mon atelier gratuit sur les tunnels de vente. Donc, tu verras comme ça en détail exactement la stratégie que j'enseigne et que j'utilise pour mon entreprise. Et à la suite de ça, si tu veux me rencontrer ou discuter avec l'un des experts de mon entreprise, ben, on va pouvoir discuter avec toi et voir de quelle manière est-ce qu'on peut t'aider à atteindre tes objectifs. Donc ça termine cette vidéo. Merci de l'avoir regardée et on se revoit très très bientôt pour du contenu tout frais et de nouvelles stratégies pour continuer à développer ton entreprise en ligne, te positionner comme experte et vraiment avoir l'impact que tu désires avoir encore plus dans cette nouvelle situation dans le monde. Alors à très bientôt et plein d'amour.